On va commencer, si vous voulez bien. Donc la Wikipédia en occitan, je m'appelle Jean-François Blanc. En occitan, ça se dit John Francis Blanc. J'ai de la chance, mon nom est en français, en occitan c'est pareil. Sachant que c'est pas un nom de famille français blanc, pour ceux qui connaissent un peu les noms de famille, c'est un nom occitan et franco-provençal. Mais en France, on ne trouve pas de gens qui s'appellent Blanc. Donc si vous trouvez des gens qui s'appellent Blanc, par exemple les industriels allemands qui ont créé l'entreprise Blanco, ce sont des gens d'origine occitane. L'auteur de l'hymne national italien de la période fasciste s'appelait Blanc aussi. C'est pas de ma famille, mais c'est un occitan du Piémont. Voilà, donc c'est un nom de famille qui est occitan et éventuellement franco-provençal. Donc mon user sur la galaxie Wikipédia, c'est JF Blanc. Je suis contributeur depuis 2009. De façon très irrégulière. Il y a des moments où je contribue beaucoup, des moments où je contribue beaucoup moins. Je suis un peu plus de 30 000 édits en occitan et autour de 10 000 en français, je crois. Et puis, comme je suis linguiste de formation et que j'aime bien ça, ça m'arrive de faire des petits édits à droite à gauche dans en gros 700 projets de la Wikimédia. Donc j'ai commencé, en fait dans la partie, dans le pad, j'ai juste mis le plan de base, donc j'ai pas vraiment développé. Mais n'hésitez pas à mettre vos questions et j'essaierai d'y répondre même en asynchrone. Et puis la Wikipédia en occitan, bah c'est hoc, voilà, hoc.wikipédia.org. Le but c'est de vous présenter rapidement l'occitan, de vous parler un tout petit peu de la matière occitane dans la Wikipédia en français, puisqu'on est quand même dans la Wikipédia francophone, donc quand même, et puis de terminer sur la Wikipédia en occitan. Et puis comme il y a toujours, vous savez, les Occitans, c'est des gens qui sont réputés très bavards, donc même quand on a terminé, il y a une sorte de troisième mi-temps, donc on parlera un peu local, donc on parlera un petit peu des rapports parfois inconnus ou connus entre les Occitans et puis les Alsaciens, voilà, au sens large. Donc l'occitan, c'est une langue romande issue du latin. Qui est identifié depuis la fin du 9e siècle par un petit poème sur Boèce qui fait 258 vers. Au cours du 10e siècle, il y a eu ce qu'on appelle du latin farci, c'est-à-dire qu'en fait les premières chartes qu'on a sont en latin avec des mots occitans qui apparaissent à droite à gauche, ce qui signifie aussi que les scribes, les gens qui écrivaient les chartes, étaient déjà pas natifs latins. Ils utilisaient le latin comme langue écrite, mais ils avaient déjà une autre pratique langagière en dehors de leur écriture. Fin 10e siècle, il y a la chanson de Sainte-Foy d'Agen qui raconte le martyre de Sainte-Foy. Donc c'est 593 vers en occitan ou en catalan. On verra ça après. Et puis début 10e siècle, il y a les premiers poèmes de Guillaume de Poitiers qui est un troubadour qui est identifié avec un comte de Poitiers. Alors cette identification, elle n'est pas toujours acceptée par certains spécialistes qui disent c'est pas parce qu'il s'appelle Guillaume de Poitiers qu'il était comte de Poitiers. Mais la plupart des gens disent quand même que Guillaume IX de Poitiers était le premier troubadour. Voilà. Donc je vous remets ça par comparaison, et ça on le voit pas. Les plus anciens, parce que c'est en bas de la page, zut, le plus ancien texte français, il est du début du XIIIe siècle. Trace écrite du français, ça ne veut pas dire que le français n'existait pas avant. Donc c'est une langue ancienne qu'on a longtemps connue sous le nom de provençal ou ancien provençal, une langue moderne qu'on connaît sous le nom d'occitan, mais pas seulement, pas que. Donc du coup, avec cette dichotomie langue ancienne, langue moderne, on est rares, avec le français, je ne sais pas s'il y a beaucoup d'autres langues, à avoir deux codes ISO. Donc pour l'occitan ancien, on a le code ISO Pro, comme provençal, et pour l'occitan moderne, on a le code ISO OC, ou OCI en 639.2. D'où notre Wikipédia en hoc. Donc, c'est une langue gallo-romane ou occitano-romane qui est issue du latin, qui est la mère de rien du tout. Ça, on en va en reparler, parce qu'il y a eu quand même eu des gens qui disaient fin 18e, début 19e, notamment Fabre d'Olivet, que l'occitan, c'était la mère de toutes les langues latines. Il y a eu longtemps cette croyance. Vous savez, à un moment, le français descendait du gaulois, et puis après, il est descendu de l'occitan, enfin, qu'on appelait roman ou provençal. Voilà. C'est parlé dans ce qu'on appelle l'isthme gaulois. J'aime bien le terme. Et puis, c'est variable dans l'histoire et dans le temps. Alors, l'isthme gaulois, c'est quoi? C'est le rétrécissement qu'il y aurait à ce niveau-là entre l'Atlantique et la Méditerranée. Voilà. Et donc, du coup,
Moi, j'ai une autre explication de l'occitan, c'est celle-là. Alors, ça va choquer certains Catalans, s'il y en a dans la salle. C'est ce qu'on appelle l'occitano-roman. En gros, quand on a voulu classer les langues romanes, parce qu'évidemment, les linguistes, ils font pas que de la description, ils font aussi des tas de choses, ils font de la prescription. On les appelle plutôt grammairiens, ils font parfois aussi de la classification. Là, c'est un peu pour leur petit plaisir personnel, voire intime. Donc, ils ont classé les langues. Langue romane, c'est facile, c'est ce qui descend du latin. Et après, on a dit, ça en fait trop, on va peut-être descendre dans la classification. Donc, on va dire, écoutez, il y a la France, l'Espagne et l'Italie. Donc, on dit, il y a le gallo-roman, l'hispano-roman et l'italo-roman. Alors, les Italiens qui sont parfois qui ont des éclairs d'honnêteté assez incroyables au niveau intellectuel, il y a le grand linguiste italien Giambattista Pellegrini qui a dit, de toute façon, l'italo-roman, c'est juste parce que l'État italien a dit tout ce qui est en Italie, c'est italo-roman. Voilà. Donc c'est pas une, ça n'a pas de base scientifique. Donc ça continue, puisqu'en Italie, les langues minoritaires sont reconnues, sauf les dialectes italiens qui sont dialectes ou langues italo-romanes, comme le piémontais, le lombard, l'émilien, le romagnol, le napolitain, etc., qui sont des langues à part normalement, mais qui sont pas reconnues, qui n'ont pas droit à la protection de la loi, parce que c'est l'italo-roman, c'est l'Italie. Voilà. En France, on a pareil avec le gallo-roman. On a dit en gros, c'est un peu ce qui est arrivé fin 19e siècle entre l'école de Montpellier et l'école de Paris, donc Gaston Paris, nom prédestiné certainement, qui a dit, de toute façon en France, il n'y a qu'une langue, il y a une mosaïque de dialectes, et on passe de l'un à l'autre sans problème, et puis de Dunkerque à Tamanrasset, pardon, à Perpignan, c'est la même langue. Voilà. Donc ça a longtemps perturbé, ça continue beaucoup de perturber la linguistique française, à mon avis. Et donc la réaction par rapport à ça, c'est de toute façon, s'il n'y a pas que le français, il y a forcément 298 dialectes différents. Donc ça, c'est le côté dosa avec ses patois, qui dit, voilà, il y a le français, puis il y a tous les patois. Voilà. Et les patois, ça peut être aussi bien le normand que le gascon, que le cosnard, etc. Voilà. Donc, en revanche, aujourd'hui, on est d'accord plutôt sur la classification occitano-roman qui regroupe au sens large l'occitan et ses dialectes et le catalan. Et dans certains cas, on a ce qu'on appelle une classification supradialectale au-dessus des dialectes qui regroupe l'occitan dans des caractéristiques communes. Donc là, c'est Pierre Bec qui commence à dater, mais qui a dit, il y a un occitan central dont je me sers comme référence, qui est en gros le domaine du languedocien, sauf la frange sud. Il y a un occitan que j'appelle aquitano-pyrénéen qui regroupe le gascon, le sud du languedocien et tout ce qui est catalan, que je mets dans le même sac. Puis il y a un occitan que j'appelle arverno-méditerranéen, et ça c'est tout ce qui est au nord, voilà, qui regroupe le limousin, l'auvergnat, le nord provençal, le sud provençal. Voilà. Donc, ça gêne plus les Catalans de Barcelone parce que bon, moi je connais des Valenciens qui se disent aujourd'hui occitanistes. Bon, ils sont pas très nombreux, mais il y en a qui disent de toute façon Valence on parle occitan. Donc voilà. On va pas trop parler d'actualité. Il faut rappeler que dans les premières listes des langues romanes, il y avait le provençal, puisqu'on appelait ça comme ça à l'époque, qui regroupait à la fois le catalan et l'occitan, notamment dans la grammaire de Dietz. Ensuite est apparue la distinction qui s'est consolidée, on va dire, au début du XXe siècle. Et en 1934, il y a un certain nombre d'intellectuels catalans, dont Pompeu Fabra, qui est le normalisateur du catalan, qui a dit, de toute façon, le catalan, c'est pas de l'occitan. Pourquoi? Pour des raisons nationalistes. Voilà. Les raisons nationalistes, c'était que de toute façon, aujourd'hui, la Catalogne, c'est en train de devenir indépendant. On a proclamé notre indépendance en 1931. On a accepté de rentrer dans une Espagne fédérale. Et puis, en revanche, on ne va pas s'encombrer à la fois avec les Valenciens d'un côté, puis avec surtout les gens du Nord, là, qui ont l'air vraiment tellement bordéliques et qui ont l'air de plus être donc les Français, quoi, ce qu'ils appellent les Français, donc les Occitans. Donc, on ne va pas s'encombrer avec ça. Donc, nous, le catalan, c'est que le catalan. Voilà. Donc, on a hérité de ça. Ce n'est pas des critères linguistiques, je rappelle. Le critère linguistique de base entre l'occitan et le catalan, si on doit en poser un, c'est le fait que l'occitan a palatalisé le ou latin en u et que le catalan ne l'a pas fait. Voilà. Donc, en catalan, il n'y a pas de son u. En occitan, il y a le son u. L'isoglosse entre les deux, l'isoglosse u-ou, fait la frontière linguistique entre le catalan et l'occitan. C'est la seule isoglosse stable, on va dire, entre les deux.
Après, vous allez avoir pareil, côté interférences entre les deux aussi. Et puis surtout, moi, d'expérience personnelle, j'ai vu des locuteurs natifs des deux langues parler entre eux sans aucun problème. Donc, mais c'est vraiment des vrais locuteurs natifs, c'est pas des néolocuteurs comme moi. Donc, je peux pas fournir avec l'expérience. J'ai vu mon père, en gros, hein, qui est décédé l'an dernier, qui parlait avec des Catalans, qui était du Tarn, donc on est en plein Occident central, qui parlait avec des Catalans, qui parlait avec des Limousins, chacun dans son parler, sans aucun problème. Complètement fluide. Donc la langue occitane, elle a eu plusieurs noms. Leur languedoc, apparemment, c'est quand même le terme le plus ancien, c'est Dante en parle quand il parle de languedoc, languedoil, langue de scie. Le but de Dante, c'est à l'époque de dire en Italie, on a une forte influence de l'occitan parce qu'on a des troubadours italiens qui écrivent en occitan. On a une forte influence du français parce qu'il y a notamment autour de Venise des gens qui ont commencé à produire du texte littéraire en français. Et moi, Dante, je veux qu'on fasse une variété locale. Une langue locale qu'il a appelée la langue du Sud, donc ce qui a donné naissance à l'italien standard. Mais comme toutes les langues standard, c'est une langue par élaboration. Moi, je me suis un peu intéressé, mais sans aller trop loin, par exemple sur l'allemand standard, je sais aussi que c'est une sorte d'élaboration entre du Mitteldeutsch et du Hochdeutsch, si j'ai bien compris. Et puis si j'ai bien compris, retravaillé par Luther, qui a été retravaillé par la communauté juive de Prague, notamment, plein de choses. Donc ces langues-là sont des langues qui par élaboration. La langue s'est aussi appelée provençale. Alors pourquoi provençale? Parce que d'abord, au Moyen-Âge, les gens du Sud étaient appelés provençaux. Il y a un texte connu d'un chroniqueur de la croisade en latin qui dit ah ben quand on est arrivé en Terre Sainte, il y avait les Provinciales d'un côté, donc les provençaux, et les Franciguennae de l'autre, les Français, que nous on appelle Franchiments. C'est pas très gentil, donc on va pas éviter. Donc il y a eu d'abord ce terme-là au Moyen-Âge. Après, il y a eu Nostradam, donc je sais plus si c'est le frère ou le cousin du célèbre Nostradamus, qui est un provençal qui a annexé à la Provence tous les troubadours. Il a dit, ah ben les troubadours, ils sont tous provençaux, de tel village, de Vaucluse, du Var, etc. Alors que c'était fou, ils venaient d'un peu partout. Il a réécrit, contrefait les vies des troubadours pour tous les placer en Provence, tout simplement parce que c'était un gars qui cherchait à croûter. Hein, il cherchait des sponsors locaux, donc il fallait forcément que les troubadours soient tous du coin pour dire, voyez, comme c'est intéressant d'avoir ça en Provence. Et du coup, ça a été repris. Rivarol, dans son discours sur l'universalité de la langue française, il dit, en France, il y a deux langues, deux groupes de langues, il y a le Picard et le Provençal. Alors, il appelle le français Picard, mais bon, c'est comme ça. C'est écrit dans Rivarol. Et puis, bon, Frédéric Mistral, qui a quand même posé les choses en disant, ben voilà, moi je parle provençal, je suis de la Provence. N'empêche que sa première publication sur la langue, en 1856, dans l'Armana Provençale, ça s'appelle la langue provençale ou languedoc. Et il décrit les dialectes, donc il dit il y a le dialecte de Marseille, le dialecte, mon dialecte à moi, qui est le plus beau, le dialecte de Toulouse, et puis le gascon, qui est un peu bizarre, quoi. Donc à l'époque, il ne connaît pas l'auvergnat, il ne connaît pas le limousin, etc. Mais bon, il appelle provençal. Donc ça, c'est un terme qui est très, très répandu et qui a été surtout utilisé largement par les linguistes, les philologues, jusqu'aux années 20, à peu près, années 30, où le terme occitan a commencé à venir un peu en avant. Limousin, le terme limousin est employé dans pas mal de textes de troubadours. On le retrouve beaucoup employé à Valence, justement, donc à Valence d'Espagne, ou du pays valencien, comme vous voulez. Et donc, on emploie le terme lingua limousine. Donc, selon certains valencianistes, ce serait pas le limousin, mais ce serait Limoux, dans l'Aude. Mais l'opinion la plus répandue, c'est que c'est limousin. Voilà. Il y a un troubadour qui s'appelle Alberte de Sisteron, donc dans les Alpes, qui a écrit dans un dialogue de troubadour avec un autre troubadour qui s'appelle Munch, qui veut dire moine, donc on ne sait même pas si c'est son nom ou si c'était quelqu'un qui était juste un religieux, un texte qui dit quelle est la langue qu'on doit employer, quelle est la langue qui est la plus belle, etc. Et lui, il emploie catalan, et il dit, moi j'appelle catalan les gens qui sont du Limousin, de l'Auvergne, de la Gascogne, etc. Voilà. Mais c'est un cas isolé un peu, donc l'emploi de catalan. Le gascon, ça c'est un terme qui est employé dans tout le Moyen Âge, toute la période moderne. Le plus connu c'est Pey de Garros, qui est un poète gascon du XVIIe, qui dit dans sa préface au lecteur qui est en français, il dit oui, moi je parle gascon, on a notre gascon à nous, le plus beau c'est au sud de la Garonne, mais de l'autre côté de la Garonne, il parle aussi gascon,
et on les comprend sans effort, et donc la langue s'appelle gascon. L'abbé de Sauvage, en 1756, publie un dictionnaire languedocien français pour aider à comprendre le langage des habitants des provinces méridionales du royaume de France appelé gascon. Voilà, donc c'est les gascons qui parlent languedocien. Et puis après, on a des noms locaux, alors soit des noms soit des noms qui correspondent à des régions, on va dire, soit des noms plutôt dépréciatifs, patois qui n'a pas ce sens-là, par exemple dans la zone franco-provençale où les gens disent qu'ils parlent patois spontanément. Chez nous, ça a quand même aujourd'hui, pour beaucoup de gens, un sens dépréciatif. On dit que voilà, quand c'est. Ou alors, c'est des gens qui disent ouais, moi, je parle patois, je parle pas occitan. Et puis, quand on commence à parler avec eux, ils disent ah, tu parles bien patois, je dis non, je parle occitan. Voilà. C'est pareil, moi, je parle occitan plutôt languedocien ou gascon, puisque je parle les deux. Et quand je parle. Dans mon languedocien, j'arrête de rouler les R, je fais des R comme ça, et puis que j'arrête de prononcer les consonnes finales. Dans des syllabes, par exemple, quand je dis Aïkanta ou Aïkanta au lieu de dire Aïkantat, on me dit ah, mais vous parlez bien provençal, et pourtant moi, je parle juste, je sais juste adapter ma prononciation parce que c'est exactement pareil. Voilà, ça c'est un truc assez marrant. Donc le mot occitan, pour en revenir, c'est un mot qui apparaît très tôt dans les imprimés. Il apparaît en italien en 1546 dans une traduction d'une histoire de Paolo Emilio. Qui a été identifié sous le nom de Paolo Coimi par un thésard français qui est mort à la guerre de 14. Il apparaît dans une traduction française dès 1556 et il apparaît dans la traduction allemande de ce livre-là en 1572. Ça, c'est donc pour le terme occitan. La codification, c'est la partie écriture, etc. Donc, en gros, au Moyen-Âge, l'occitan, il s'écrit selon des règles assez stables, assez communes, assez répandues, ce qu'on appelle les scripta. La fin de l'utilisation légale de la langue dans la plupart des régions de langue occitane, c'est marqué par Villers-Cotterêts. Donc Villers-Cotterêts, on a dit, c'est contre langue régionale, c'est pas contre langue régionale, ça annule trois ou quatre mesures précédentes qui avaient dit on n'écrit plus en latin parce que les gens ne comprennent plus le latin, on écrit dans la langue de l'endroit. Et donc, en fait, la seule langue de l'endroit, sauf erreur de ma part, dans laquelle on trouve des actes notariés notamment, c'est l'occitan. Donc, par conséquent, Villers-Cotterêts, c'est contre l'occitan et contre le latin. Contre le latin en premier lieu, et puis par cascade, contre l'occitan, parce que du coup, on se rend compte que tout ce qui est texte notarié disparaît, enfin, l'occitan disparaît progressivement. Moi, dans le Tarn, il y a un notaire à 15 km qui s'appelle Blanc aussi, mais je n'ai pas pu prouver ma parenté avec lui, qui a écrit ses derniers actes en occitan vers 1595. Et après, il passe au français. Donc, après cette période-là, le fait qu'il n'y a plus d'écriture officielle, le fait qu'il n'y a pas vraiment de littérature très répandue, on appelle ça un peu l'anarchie graphique, donc avec deux tendances. Une tendance générale, assez de se calquer sur le français. Et puis certains qui essaient quand même de rester un petit peu sur la graphie classique qui n'est pas bien connue, bien maîtrisée, surtout pas avec les connaissances linguistiques de l'époque. Donc du coup, au 19e siècle, quand il y a ce qu'on appelle la Renaissance occitane, ben, il y a les deux tendances qui se font face. Soit on modernise la scripta médiévale, soit on crée une nouvelle orthographe. Le Félibrige, qui est la première organisation qui est créée dans les années 1850, décide d'utiliser une écriture localiste, donc une graphie qu'on appelle la graphie mistralienne, qui a été plutôt imposée par Roumanie, qui est un des fondateurs du Félibrige, un Mistral. Mistral hésitait, il savait pas trop, lui c'était un poète au départ. C'était un poète qui était un rentier, Mistral, donc c'était pratique, il vivait de ses rentes. Donc après il avait tout son temps pour composer ses poèmes. Et après pour composer ce qui reste aujourd'hui la référence en termes de dictionnaire occitan, c'est le Trésor du Félibrige. Voilà. Il a utilisé énormément de correspondants locaux. C'est très riche. Après, ben, il faut vérifier. Il n'y a pas trop d'erreurs, mais il y en a quand même quelques-unes. Et puis surtout, ça ramène tout à la prononciation d'un provençal local. Fin 19e siècle, une fraction du Félibrige refuse la langue unique, qui était le provençal mistralien, en disant nous, on veut écrire dans notre dialecte. Donc, ils remettent sur le tapis la question graphique. Donc, ça peut c'est des Limousins et puis surtout des Languedociens. Et donc, on arrive à ce qu'on appelle l'occitanisme, parce qu'en fait, une des premières organisations qui se positionne comme ça, c'est une organisation qui s'appelle la Ligue Occitane, qui est créée vers 1895.
Donc c'est des gens qui sont dans le félibrige, mais qui sont une sorte de tendance ou de courant, comme on dirait aujourd'hui, qui dit nous on veut écrire dans une orthographie, et puis surtout que notre écrire dans notre dialecte peut avoir nos textes traduits en provençal mistralien. Moi j'ai envoyé des articles, il y a quelques années j'ai publié des articles dans Province d'Arles, qui est une revue qui est publiée en provençal mistralien. Moi j'ai essayé d'écrire en provençal, mais avec ma graphie classique, parce que moi je ne connais pas trop la graphie mistralienne, ça a été mis en graphie mistralienne et ça a été reformulé avec le vocabulaire plus mistralien, qui n'est pas forcément très, très différent, mais il y a quand même quelques petites différences. Par exemple, le mois de janvier, en occitan, normalement on dit Genier, et en provençal, ils utilisent janvier. Donc voilà, janvier, c'est bien du français direct. Mais, donc c'est quelques petites différences comme ça qui font que. Voilà. Alors, je vais mal avec mes trucs là. Alors ça c'est une carte que j'avais faite pour le locaton il y a qu'on a fait en décembre dernier. C'est un peu le statut légal de l'occitan. Le statut légal de l'occitan aujourd'hui. Alors l'occitan est officiel depuis 2006 en Catalogne, dans la région autonome République suspendue de Catalogne et autonomie suspendue aussi. Mais a priori l'article 155 de la Constitution espagnole ne permet pas de suspendre l'autonomie. Enfin bon, il y a des querelles de juristes. En gros, c'est que l'occitan est officiel depuis 2006, dans toute la Catalogne. Concrètement, c'est la suite d'une loi de 1990 qui définissait le régime spécial du Val d'Aran, qui est la Haute-Vallée de la Garonne, qui est aussi en Catalogne, et qui disait le Val d'Aran ont rétabli l'institution locale qui s'appelle le Conseil Général, qui avait été supprimé en 1833, et on remet l'aranais comme langue officielle. Donc l'aranais, c'est du gascon, qui est de l'occitan local, avec quelques particularités, une forte influence du catalan, dans la phonétique, dans une partie du vocabulaire, et aussi une influence grandissante de l'espagnol, puisque aujourd'hui, sur les pas tout à fait 10 000 habitants de la vallée, il y en a à peu près 5 000 qui sont hispanophones et qui sont arrivés depuis 15 ans. En gros, il y a eu une explosion de l'activité touristique et pour faire le boulot, typiquement, les femmes de chambre, les cuisiniers, etc., c'est souvent des latinos, c'est même pas des espagnols d'Espagne. Il y a beaucoup de latinos, il y a pas mal de roumains aussi. Et donc, ces gens-là, ils parlent espagnol. Alors là, j'ai l'impression qu'en Andorre aussi, on parle beaucoup l'espagnol maintenant. Oui, c'est un peu pareil, oui. Je pense que de toute façon, l'Andorre, ils ont toujours été. Déjà, la vallée descend vers l'Espagne, donc vers la Catalogne. Mais c'est vrai aussi que le développement touristique, les gens sur place, ils ne veulent pas travailler. Enfin, c'est toujours pareil. Quoi. Dans toutes les sociétés, c'est des immigrés qui prennent les boulots les moins bien payés. Et donc là, les immigrés, c'est des Espagnols ou des Latinos, notamment. Quoi. Donc, n'empêche que l'aranais aujourd'hui survit assez bien malgré tout parce que le cursus scolaire est adapté, que en gros l'enseignement primaire se fait en aranais et en catalan avec un peu d'espagnol et que en gros les aranais ils arrivent au bac, ils parlent cinq langues. Voilà, ils parlent l'occitan, ils parlent le catalan, ils parlent l'espagnol. Ils parlent le français parce que le Val d'Aran ça débouche quand même sur le reste de la vallée de la Garonne qui est francophone. Et puis, ils font de l'anglais aussi. Donc, la plupart des gens, c'est un peu. on se sent un peu frustré quand on discute avec un aranais parce qu'on a tout de suite ça. Voilà. Et l'aranais, donc, c'est. Donc, l'occitan est officiel en Catalogne. Ça veut dire que la télévision catalane a des journaux en aranais. Elle n'a pas grand-chose d'autre, malheureusement. Ça veut dire aussi qu'une partie de tout ce qui est site web est disponible en aranais, que les lois qui concernent l'aran sont disponibles en aranais, et puis qu'il y a, en gros, les associations ou activités qui autour de l'enseignement de l'occitan sont relativement aidées par la généralité de Catalogne. En France, il n'y a pas de statut, hein, pour être clair. C'est reconnu comme langue régionale depuis 1951 par la loi d'Aixonne, qui a dit que l'occitan est une langue régionale. Quand le code de l'éducation a été promulgué, je ne sais plus en quelle année c'était, 2002 ou je ne sais plus, un truc comme ça, en fait, la liste des langues a disparu. C'est-à-dire qu'en fait, dans le code de l'éducation, on parle de langue régionale, mais il n'y a pas de liste nominative. Donc aujourd'hui, les seules listes nominatives qu'on a, c'est dans les bulletins officiels d'éducation nationale, où on dit, dans telle académie, on peut passer le bac en occitan
Languedoc, puisqu'ils utilisent les deux mots, et on peut passer typiquement dans l'académie de, je dis n'importe quoi, dans l'académie de Grenoble, on peut présenter l'occitan, le provençal Languedoc, je crois, et le vivarois alpin Languedoc, parce qu'en plus ils détaillent les dialectes. Et à Paris, pareil, quoi, dans les trois académies de la région parisienne, on peut passer le bac en occitan, puisque moi j'ai été une année au jury, donc il y avait sept candidats. Voilà. C'était il y a une dizaine d'années de ça. Il n'y a plus d'enseignement, hein. Il y a eu jusqu'à son départ à la retraite il y a 6 ans, un prof de lettres, agrégé de lettres classiques, qui était à Noisy-le-Grand, qui faisait un cours d'occitan, et depuis qu'il est parti à la retraite, il n'a pas été remplacé. Le cours, comme il n'était pas prof d'occitan en titre, même s'il faisait ça dans son lycée, du coup il n'y a plus d'enseignement secondaire. Donc tout est dans le sud de la France, donc avec ce statut qui n'en est pas un. Alors assez bizarrement, il y a quand même deux groupements interrégionaux qui ont l'occitan comme langue officielle. C'est la communauté de travail des Pyrénées, qui inclut donc sur la carte, là que vous voyez, c'est ce qui est ondulé. Donc c'est en gros la région Nouvelle-Aquitaine, la région Occitanie, la Catalogne, l'Aragon, Navarre et Euskadi et Andorre, où l'occitan est langue officielle. Voilà, depuis la création de la communauté. Après, je suis pas sûr que ce soit utilisé. Et puis depuis le changement de statut qui est daté de 2014, l'Eurorégion Pyrénées-Méditerranée, qui donc comprend la région Occitanie, la Catalogne et les Baléares, a rajouté l'occitan dans ses langues officielles, mais pas dans ses langues de travail. Donc là, il y a eu des deals suite au changement de région, aux polémiques, hein, sur le nom de la région Occitanie par rapport au catalan, où en gros, on a dit le siège de la région, il va être mis à Perpignan. Et aujourd'hui, donc, ils recrutent des gens. Les critères de recrutement que j'ai vus sur les dernières annonces postées, c'est français, espagnol, catalan, il n'y a pas occitan. Quelques petits trucs. En Italie, donc la loi 482 de 1999 protège relativement bien l'occitan. Elle a été. Comment on appelle ça? Elle s'applique à peu près à 200 communes du Piémont. Une commune et demie de Ligurie. Il y a une commune qui a dit moi je suis de langue occitane, et il y a une commune qui a dit moi j'ai deux hameaux dans ma commune qui sont de langue occitane. Voilà. Donc il y a cette possibilité-là. Donc c'est Triora et puis qui est à moitié occitane, et puis Oliveto San Michele. Et puis il y a Guardia Piemontese qui est un truc assez original, qui est une ville qui est en Calabre, où donc il y a eu des émigrés. Des réfugiés au XIIIe, XIVe siècle, l'essentiel des villages qui parlaient occitan ou qui étaient vaudois a été massacré au XVIe siècle. Avec, bon, c'est largement documenté dans les documents de l'Inquisition napolitaine, qui dépendait de l'Inquisition. À l'époque, le royaume de Naples dépendait de la couronne d'Espagne. Et donc, il y a encore ce village-là qui emploie un occitan très très spécial, très calabrisé. Hein, la langue est difficile à comprendre, il faut dire quand même, mais qui est reconnue. Et donc du coup, comme dans cette région-là, il y a aussi une forte minorité albanaise et une forte minorité grecque, enfin albanophone, hellénophone, puisque c'est des gens qui parlent ces langues-là depuis plusieurs siècles, il y a donc un petit truc à l'université de Calabre qui s'occupe de l'occitan. Dans les choses qu'on peut oublier, même si on en reparlera, il y avait aussi des Vaudois qui parlaient des variétés d'occitan en Allemagne jusque dans les années 30. Voilà. Et en émigration, on trouve aussi des Vaudois, notamment en Amérique du Sud, Argentine, Uruguay, où on a encore, moi j'ai trouvé il n'y a pas longtemps sur YouTube un enregistrement en patois, comme ils disent, en Uruguay, qui date de 2008 ou un truc comme ça, quoi. Des anciens dans une maison de retraite qui parlent le vivarois alpin qu'ils ont importé d'Italie. Donc sur la régulation de l'occitan, l'organisme qui avait vocation de faire la régulation qui s'appelle l'Institut d'Occitan, moi j'en suis membre, mais typiquement il n'a aucune autorité ni aucun pouvoir. Donc il y a eu plusieurs tentatives. Aujourd'hui, on a en gros trois organismes. On a le Congrès permanent de la langue occitane, qui est un groupement qui regroupe,
un groupement qui réunit l'Institut Occitan de Pau, qui réunit auquel participe l'IO, etc., qui a un site intéressant et surtout qui fait un travail de fond important sur la numérisation, la mise à disposition d'outils en ligne, etc., sur le lexique, sur la toponymie, etc. Donc qui fait pas vraiment de régulation parce qu'il n'impose pas une norme, quoi. Il publie plusieurs dictionnaires et chacun avec pas forcément les mêmes choix graphiques. Ça relève du détail, mais c'est quand même des choix graphiques différents. En Catalogne, il y a l'Institut d'études aranaises, Académie aranaise de la langue occitane, qui régule l'usage de l'aranais et qui donne aussi des indications pour utiliser un occitan plus standard. Mais qui travaille surtout aujourd'hui, qui commence à publier des choses, qui a publié une grammaire, etc., d'aranaise, et qui s'est développé des choses. Et puis sur la graphie mistralienne, on a un conseil de l'esprit mistralien, qui est une émanation du Félibrige, mais pas seulement, et qui essaie de mettre à jour le dictionnaire de Mistral. Voilà. Donc ça, c'est la régulation telle qu'on a aujourd'hui. À côté de ça, on a ce qu'on appelle du sécessionnisme linguistique. On ne va pas trop s'étendre. C'est un terme qui a été créé par la Société linguistique catalane, notamment en référence à la situation en pays valencien, parce que les Valenciens, il faut surtout pas, enfin la plupart, leur dire qu'ils sont catalans ou qu'ils parlent catalan. Alors, donc après, à partir de ça, il y a des élaborations de normes graphiques, de normes orthographiques différenciatrices pour dire, voilà, ben, vous voyez bien que c'est une langue différente puisqu'elle ne s'écrit pas pareil. Aujourd'hui, quand même, à Valence, l'essentiel des Valenciens disent qu'ils parlent valencien, mais que ça fait partie de la même langue que le catalan. Donc on a l'appellation catalan-valencien, on a l'appellation BCV, baléare catalan-valencien, qui sont assez reconnus. Et on va dire que la situation est quand même meilleure quelque part que la situation du galicien, où là on est arrivé à un réel schisme entre le galicien et le portugais, alors que bon, le galicien, c'est en gros, c'est le lieu de naissance du portugais, c'est la Galice, quoi. Donc les fondements linguistiques, c'est des fondements dialectaux plutôt, c'est plutôt des fondements politiques, et aujourd'hui on a des conséquences sur le sécessionnisme à deux niveaux, dans la région PACA, puisque suite aux dernières élections régionales, M. Estrosi, soutenu par un truc qui s'appelle le Collectif Provence, a fait voter des résolutions en disant « Ah ben en Provence, on parle trois langues, le provençal, le... » Qu'est-ce qu'il a dit ?« L'alpin, et puis je ne sais plus trop quoi. » Et donc du coup, par exemple, les calendrettes, qui sont des écoles maternelles privées, immersives en occitan, qui sont... En PACA, il n'y en a pas beaucoup. Il y en a une à Orange, il y en a une à Gap, je crois. Il doit y en avoir une troisième dans le Var. Elles ont perdu toutes leurs subventions sous le prétexte qu'on n'enseignait pas la langue locale. Alors que c'est exactement le contraire. Quoi. Au contraire, à Orange, ils enseignent le parler d'Orange. Et Orange, donc, qui s'écrit Aorenjo avec un O en graphie mistralienne, Aorenja avec un A en graphie occitane, et qui se prononce également Aorenja, parce qu'il y a quelques endroits où le A final se prononce en Occitanie. Bah, du coup, ils n'ont plus de calendrette, quoi. Déjà qu'ils ont un maire un peu spécial, ils n'ont pas de chance, quoi. Voilà. Et puis dans Wikipédia, parce que ça, je parle de la Wikipédia en français, où il y a des interventions récurrentes de gens qui disent le provençal, c'est pas de l'occitan, l'auvergnat, c'est pas de l'occitan, etc. Moi, dans mon expérience personnelle, j'ai mon premier contact avec l'occitan, c'était en terminale. J'étais à QC, dans l'Allier, et j'ai utilisé le matériel pédagogique de Pierre Bonneau. Donc Pierre Bonneau, c'est quelqu'un qui, en 1969, a publié un truc qui s'appelle écrire le nord-occitan avec la graphie classique, donc complètement occitaniste. Dans les années 70, je ne sais plus trop vers quelle époque, il a dit ah ben finalement non, l'occitan, l'auvergnat, c'est pas de l'occitan. Et donc il a développé tout un truc sur ce sujet-là. Et aujourd'hui, il y a quelqu'un qui intervient, qui est complètement bonodien convaincu, qui intervient sur Wikipédia et qui met de l'auvergnat partout. Donc c'est Avitus, hein, pour ne pas le nommer. Je ne sais pas qui c'est. J'ai des échanges avec lui. Il y a des moments où je discute avec lui. Il y a des moments où je me fâche. Puis des moments où je fais rien parce que bon, je ne peux pas non plus. Voilà quoi. On a du temps, mais pas tant que ça. Et donc Bonneau, il a dit non, en fait, moi je suis géographe, donc je connais l'histoire. Déjà, ça, moi, ça me... Bon, passons. Je sais qu'en fait, dans la Gaule, il n'y a pas un espace... Il n'y a pas la Gaule du Nord et la Gaule du Sud. Il y a la Gaule du Nord, la Gaule du Sud et la Gaule centrale. Voilà. Et donc, il a inventé un concept qu'il appelle la Médio-Romanie. Et donc, aujourd'hui, il fait
Les dernières cartes qu'a publiées Avitus sont assez marrantes, quoi. Il met des cartes, en gros, il y a l'ancien Poitevin Saint-Onger, l'ancien Limousin, qui ça remonte presque jusqu'à la Loire à chaque fois, l'ancien Auvergnat, et puis il y a le Franco-Provençal qui lui reste bizarrement dans ses mêmes limites, alors qu'on sait parfaitement, par exemple, on parlait d'Orange tout à l'heure, Orange aujourd'hui parle provençal. Donc la différence entre l'Occitan du Nord et du Sud, c'est que le ga de l'Occitan du Sud est devenu ja ou ja en Occitan du Nord, et que le ka est devenu cha. Voilà. Donc on a par exemple le château, hein, Loucastel, Loucastel en provençal, Loucastec en gascon, mais parce que un truc bizarre avec les double L du latin. Dans l'Occitan du Nord, c'est Louchastel, Louchater en Périgord, Loussatel. De prononciation. Et donc, ben, Orange, qu'est-ce que c'est Orange? C'est Aurenga en occitan ancien. Donc, à un moment, la limite entre l'Occitan du Nord et du Sud est passée au sud d'Orange. Donc, le nom de la ville est Occitan du Nord, mais le provençal est remonté après. Et donc, aujourd'hui, ils parlent provençal, mais ils ont un nom Occitan du Nord. Donc, il y a quelques trucs comme ça. Enfin, bon, voilà. Donc, c'est pour vous expliquer la confusion qu'on a dans tout ça sur l'Occitan. Je vais essayer d'accélérer parce que sinon je vais parler pendant des heures, moi. Donc l'occitan de la Wikipédia en français, ce que je peux en dire, moi, c'est qu'il y a des intervenants qui sont assez passionnés et parfois célèbres, que c'est difficile de contrôler ce qui est écrit, puis de passer du temps, et puis qu'il y a surtout des incompréhensions. Alors moi, j'avoue que j'interviens moins sur la Wikipédia en français. Je me suis focalisé sur un certain nombre d'articles parce que le fonctionnement de la communauté me perturbe beaucoup. J'ai l'impression qu'il y a... Enfin, il n'y a pas de contrôle, ou alors qu'il faut rentrer dans le... Moi, j'étais bloqué une fois parce que j'avais pas compris que j'avais pas le droit d'écrire. Je m'étais créé un autre pseudonyme. Je savais pas. Hein. Voilà, c'est très compliqué. On est parfois dans une espèce de marée bureaucratique. Et du coup, c'est très difficile de contribuer de façon sereine. Et puis surtout, bon, quand on rentre le soir du boulot, on n'a pas envie de se prendre la tête en plus à essayer de trouver. Bon. Donc du coup, j'ai réduit mes interventions personnelles à un certain nombre d'articles. On a quand même des trolls, hein. On a un très connu qui s'appelle Félibre d'Auvergne, Félibre Auvergnat, il y a une liste de faunés qui doit être une vingtaine de faunés, je crois. Il a même utilisé mon nom, John Frances Blanc, en toutes lettres, à un moment pour faire des trucs disant ouais, l'Auvergnat c'est pas de l'Occitan, ou l'Occitan c'est le truc des collabos, etc. On a ça chez nous aussi, hein. Il n'y a pas qu'en Alsace et en Bretagne, malheureusement. Donc voilà quoi. Et donc des incompréhensions, oui, parce que c'est vrai que c'est difficile après. Moi, je trouve que c'est difficile de rentrer, essayer d'expliquer le truc de base de la rédaction encyclopédique et de à quoi sert Wikipédia. Et je pense que c'est valable pour toutes les versions linguistiques. Hein. Bon, je disais tout à l'heure, pour les langues minoritaires, on a une responsabilité supplémentaire, c'est que nous, on n'a pas d'encyclopédie papier, on n'a jamais eu d'ouvrage de référence avec du contenu encyclopédique dans notre langue. Donc on a en plus cette responsabilité-là, c'est que les gens, s'ils veulent chercher quelque chose en occitan, ils ne vont pas aller dans une bibliothèque chercher une encyclopédie en occitan, il n'y en a pas. Mais en plus, c'est à quoi ça sert, pourquoi on écrit, ce qu'on rédige, et comment on fait pour présenter les choses, l'essentiel de sourcer, d'essayer de présenter les points de vue sans prendre parti, etc. Et ça, c'est compliqué, moi, je trouve. Donc sur la Wikipédia en occitan, je dis des bêtises, on a eu une encyclopédie, mais c'est au XIVe siècle, donc autant vous dire que personne ne la lit, surtout qu'elle n'est pas republiée. Hein. Et que donc l'Occitanie, l'encyclopédie en occitan, elle date de 2003. Il y a des dates discordantes entre certains articles, parce que je ne sais pas si on peut retrouver la date officielle, je crois que c'est entre juillet et octobre 2003. Voilà. Donc à peu près en même temps que l'encyclopédie en alémanique dont on a parlé tout à l'heure. Donc. En 2010, alors pareil, quand on parlait de problèmes graphiques, etc., la première version de Wikipédia en occitan s'écrivait avec un O. C'est une mauvaise idée qu'on a en occitan de dire le son U s'écrit O de base, puisque le U sert à dire U. Donc on écrit Wikipédia avec un O, et puis on accentue sur le A final. Donc là, on a quelque chose que les gens pensaient prononcer Wikipédia et qui en fait, vu comme c'est écrit, se prononçait Wikipédia. Voilà. Et donc ça a été corrigé vers 2010 en Wikipédia ou Wikipédio. Et normalement, la prononciation occitane authentique, ça serait plutôt Bikipédio. Parce que le W, les vieux locuteurs natifs, ils diront Bashintu pour dire Washington, par exemple.
ils diront le wagon pour lire le wagon, etc. Donc normalement, on pourrait même transcrire par un V et le K par un Q, puisque dans les grammaires occitanes, on dit que le W et le K ne sont pas des lettres occitanes. Et alors si on remplace le W par un V et le K par un QU dans le titre de la Wikipédia, bah, c'est bizarre, on a le titre de la Wikipédia catalane. Parce qu'ils sont allés jusqu'au bout de leur logique. Voilà. Donc en 2016, on est arrivé à 90 000 articles et aujourd'hui, on en a un peu moins. Pourquoi? Parce que en 2011, il y a un contributeur qui s'appelait Boulor qui a créé des bots, des articles par bot, et qui a surtout créé des modèles assez énormes. C'est-à-dire qu'en fait, il y avait des modèles de population des communes occitanes où il avait fait un copier-coller des fichiers de l'INSEE. Et plutôt que de réduire ça aux 39 ou aux 24 plus des morceaux de département occitan, il avait mis les 36 000 communes. Et donc il faisait des appels de modèles. Quand il construisait ses tableaux démographiques, il appelait 5 ou 6 modèles, un par année, avec 36 000 entrées dans le modèle. Donc évidemment, ça a fait intervenir quelqu'un du centre Midom, je ne sais pas s'il est américain ou allemand ou je ne sais pas quoi, pour dire oh, on arrête ça, voilà, il faut arrêter ça. Et donc du coup, il s'est fâché, il est parti. Et il nous a laissé un sacré bazar, et qu'on essaie de corriger aussi bien que mal, mais bon, ça prend du temps. Et puis, on essaie aussi de créer des nouveaux articles, de suivre un peu l'actualité. Donc, c'est pas évident de corriger tout ça. Donc, la Wikipédia en occitan, sur pas mal d'articles, elle est moche. Voilà. Moi, j'assume hein, aujourd'hui l'état dans lequel elle est, c'est moche. En 2016, il y a pas mal d'articles qui avaient été créés aussi par bot et qui n'avaient pas de contenu, parce il avait appliqué des modèles qui devaient faire référence, je pense, à. Soit au début de Wikidata, soit je sais pas trop quoi. Il n'y avait rien, il y avait juste un modèle dedans. Et donc là, il y a Holder, je crois, qui est intervenu pour effacer tous ces articles-là. Donc, au début, je lui ai écrit, je dis, détruis pas, on va corriger. Et puis, bon, il a vu qu'on ne corrigeait pas assez vite, ce qui est normal, on n'est pas très nombreux. Donc, il a détruit à peu près 5 000 articles. Alors, ça fait mal sur les comptes, on est plus 53e, on est 61e, un truc comme ça. Mais bon, à la limite, c'est pas grave. Hein, Donc ça, c'était les chiffres de 2016 que j'ai pas eu le temps de remettre à jour. À l'époque, on était 61e, voilà. On est à peu près à 85 000 articles, quoi. Donc on est loin évidemment de l'anglais, hein, mais bon, c'est vrai que, comme je dis, parce que je me suis fâché une fois avec les Tchèques, parce que j'écris aussi dans la Wikipédia en tchèque. Je dis, moi, j'ai pas, de, on crée pas un article par Pokémon dans la Wikipédia en occitan. Donc après, ben, le reste, c'est standard, hein. On utilise. Les règles de tout le monde, tout le monde peut éditer. Moi, je pense que c'est mieux de créer un compte après. Bon, ça, c'est pas d'accord. On utilise Commons et pour pouvoir mettre les logos, notamment des communes italiennes qui sont de langue occitane, on a restauré la possibilité de charger en local pour proposer des logos ou des blasons en fair use, puisque ça, c'est pas possible dans Commons. Donc ça c'est un peu les utilisateurs. Donc ça pour ceux qui connaissent Wikipédia c'est pas trop nouveau. On a quatre admins dont je fais partie, deux bureaucrates. Ça c'est parce que le seul bureaucrate qu'il y avait à un moment n'était pas joignable. J'ai dit dans certains cas si tous les ans hein, j'essaie de faire une campagne d'appel pour avoir un admin de plus. Parce que c'est bien d'avoir quand même pas mal de gens qui surveillent. Puis moi je me sens un peu déchargé, on va dire, d'être obligé de me connecter tous les jours, de voir si dans la nuit il n'y a pas eu 2-3 piratages, même s'il y a quand même aujourd'hui des surveillances centrales qui sont assez efficaces à ce niveau-là. Ça s'est bien amélioré, ce truc-là. Les trucs bizarres. Aujourd'hui, on a encore quelques publicités pour des chaussures dans des pages de discussion d'utilisateurs IP, donc ça va. C'est en russe, souvent. Mais ça gêne pas trop parce que je pense que personne ne se connecte dessus. Voilà, on n'a pas de steward, on n'a pas de développeur, et puis sinon, ben pour le reste, on utilise les principes communautaires, sachant qu'on n'a pas beaucoup de prises de décision, pas beaucoup de votes. Hein. La dernière prise de décision, c'était pour le rétablissement de la possibilité de charger en local. Je crois que ça date de 2015, de mémoire. On n'a pas dû non plus avoir de changement dans les admins depuis 2015, donc on est assez stable, parce qu'on n'est pas très nombreux. Donc. Là, je me suis amusé, hein. Ça j'avais fait ça sur le wiki, le hackathon. Non langue spéciale, ça c'est du limousin. Change un peu les dialectes. Donc on couvre l'ensemble du domaine occitan. On a adopté rapidement une charte linguistique, je pense même qu'elle a été adoptée avant que j'arrive dans la Wikipédia en occitan, qui dit on utilise la graphie classique et on essaie d'être
cohérent à l'intérieur des articles. C'est-à-dire qu'un article qui est écrit en gascon, il reste écrit en gascon. Je dirais même mieux que ça, un article qui est écrit en gascon de la plaine, il reste écrit en gascon de la plaine. Et un article qui est écrit en aranais, il va rester écrit en aranais. Un article qui est écrit en béarnais, il va rester écrit en béarnais. Par exemple, l'article sur le Japon, il est écrit en béarnais. Il a été écrit par un auteur occitan connu, un des grands auteurs contemporains occitans qui s'appelle Eric Gonzalès, qui contribue à la Wikipédia française, je pense pas trop, sous le nom de Madeleine de Proust, et qui a beaucoup écrit sur le béarnais. Enfin, il a écrit des choses parce qu'il connaît très bien la langue. Il est auteur, il est traducteur, il a traduit un truc d'Amélie Nothomb, il a traduit L'étranger de Camus en béarnais, donc c'est quelqu'un qui connaît bien. Il a écrit des articles sur le Japon, notamment en béarnais. Donc une fois j'ai fait une modif, il m'a dit ouais, mais c'est pas comme ça qu'on dit en béarnais. Donc on s'est un peu frité tous les deux. Mais j'ai dit ok, de toute façon c'est écrit en béarnais, donc on est d'accord, ça reste dans le même dialecte. Voilà. À un moment il y avait un modèle qui permettait de dire cet article est écrit, etc. Aujourd'hui c'est plus affiché. Donc c'est parce qu'en fait c'est un modèle qu'il faut insérer dans les articles et que les gens ne le font pas. Pour écrire comme il faut, donc on a quelques ouvrages de référence. On a surtout le site du Congrès, donc qui a plusieurs dictionnaires disponibles en ligne, et qui est un truc qui est assez récent, qui doit avoir 5 ans à peu près, et qui continue à enrichir son contenu. Donc ça, c'est très important. On a en papier un dictionnaire orthographique de Josiane Hubault qui s'applique à l'occitan moyen. Donc l'occitan moyen, c'est le provençal et les langues d'Occitan. C'est ce que Dauzat appelait dans son livre sur les patois le provençal moyen. Oui, on a juste repris le terme moderne. Et ce qui est intéressant dans son bouquin, c'est qu'elle a aussi un regard très critique sur toute la production lexicographique occitane. Et donc, c'est un peu un souci qu'on a, hein, c'est qu'on a des dictionnaires papier globalement de mauvaise qualité. Parce que les gens qui ont fait ça, ils ont dit, ouais, je vais faire un dictionnaire. Ils ont travaillé dans leur coin, ils connaissent pas forcément tout, ils n'ont pas une vue exhaustive de la langue, ils n'ont pas une vue exhaustive. De ce que ils n'ont pas une connaissance lexicographique de base importante qui permet de faire la distinction entre des champs sémantiques, etc. Le pire, enfin un des pires, c'est Alibert. Donc Alibert, qui est connu pour sa grammaire, son dictionnaire est une catastrophe. D'une part, parce qu'il ne l'a pas dit, mais il a tout copié sur Mistral, en changeant la graphie, en langue d'occitanisant, qu'il a rajouté des erreurs, c'est-à-dire qu'il y a certains glissements sémantiques. Qui ont été faits dans son dictionnaire, qui ont été après recopiés par tous les dictionnaires contemporains, parce qu'il n'y a pas eu ce regard critique. Donc, la préface de Josiane Hubault dans son dictionnaire orthographique de l'occitan, qui a été publiée au Trabucaire, est très intéressante parce qu'elle explique ça. Après, du coup, Josiane, que je connais personnellement, elle n'a pas beaucoup d'amis, parce qu'elle dit aux gens ce qu'elle pense, et forcément, c'est pas toujours agréable à entendre, mais elle est extrêmement rigoureuse. Et surtout, si on lui apporte des arguments, bah, elle est capable de dire, ah oui, t'as raison, je me suis trompé. Alors que les autres. Mais c'est une femme aussi, peut-être que c'est le côté. Voilà quoi. Donc elle subit aussi le masclisme, comme on dit chez nous, occitan, qui est quand même assez fort, faut dire. Et qui fait que son travail, elle a fait un travail énorme, c'est elle qui a numérisé la Libère, le dictionnaire de Libère. Donc elle a numérisé, elle a dit est-ce que je corrige les fautes qu'il y a dans la Libère? Est-ce que je ne les corrige pas? On a dit non, il faut surtout pas toucher à Libère. Donc voilà, quoi. On est un peu embêté. Il y a une horreur sur le web, c'est panoccitan.org. Là, c'est un gars qui se dit diplômé d'occitan, qui a réinventé une langue occitane, en fait. Et qu'en fait, typiquement, quand on parle d'incompétence lexicographique, personne en occitan, ça se dit dégus, qui peut se dire déguin, enfin, qui a été localement, qui se dit déguin à Marseille, mais c'est dégus, c'est écrit Degunes. Alors on écrit ou on n'écrit pas l'ess, parce qu'il y a des gens qui disent déguin, il y en a qui disent dégus, etc. Et lui, il a créé une personnalité, c'est une dégunalitate. Voilà. Ce qui n'a rien à voir, puisque la personne et la personnalité, c'est pas pareil, quoi. Et donc il est parti sur des délires comme ça. Et malheureusement, on a eu quelques contributeurs à la Wikipédia en occitan qui ont trouvé son truc et qui ont commencé à publier des articles. Donc on dit non, il faut surtout pas utiliser ça. On a corrigé. Donc du coup, ça s'est un peu calmé, mais c'est un souci qu'on a eu, quoi. Voilà, et puis on a la chance quand même dans la communauté d'avoir des gens qui viennent d'un peu partout. Moi, s'il y a des choses que je ne connais pas d'un point de vue dans un dialecte, j'ai des relais. Donc je pose la question souvent hors ligne à des gens qui connaissent plus les termes. Ce qui permet d'avoir quand même globalement une qualité, je pense, de linguistique qui est en amélioration.
Donc un peu de gascon pour écrire correctement. Donc ça c'est les règles de base. Donc ça c'est pour vous montrer. Ça c'était pour les gens de Billière hein, que j'avais écrit en gascon, oui. Juste 2 minutes, d'accord. Ok. Donc on ne parlera pas trop de ça. Là c'est des choses qu'on pourra trouver sur OpenStreetMap, c'est les villages vaudois en Allemagne. Donc on en reparlera après ou hors code. Donc, voilà. Mais j'avais terminé hein, globalement. Je voulais juste te dire que voilà, on a parlé occitan en Allemagne, pas loin d'ici, jusqu'en 1930 à peu près, du côté de Karlsruhe, du côté de Neuengstedt, etc. Il y a des gens, et du coup, il y a des Allemands qui ont des noms occitans, mais qui parlent plus occitan. Merci. Ok. En gros, on discutera après si vous avez des questions. Qui est à l'amphithéâtre maintenant, en fait, à 11h. Et se finit dans 45 minutes. Après, il y a une grande pause, donc je pense qu'on peut se revoir pour se poser des questions ensemble. Ok.